Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, c'est une belle journée, il fait beau et j'ai enfin réussi à me remotiver à m'occuper de ma Supra. Donc en fait ça faisait un bon moment que je l'avais pas roulé. Si tu veux, la dernière fois que je suis allé au contrôle technique, le mec il m'a dit ouais alors en fait il faut remplacer deux pièces sur les trains roulants côté gauche, sauf qu'il m'avait pas dit quoi en fait, ça s'était passé vachement vite et j'ai jamais su quelles étaient les pièces en question. Donc voilà, aujourd'hui j'ai rendez-vous dans un atelier chez Youngtimers Garage à Agondange, histoire de mettre la voiture sur le pont et de voir un peu quelles sont les pièces en question, qu'est-ce qu'il y a à changer pour plus être emmerdé au contrôle technique. Donc voilà, on se retrouve directement dans l'atelier et on voit tout de suite ce qui ne va pas. Et voilà les amis, et c'est déjà tout. Donc ouais, c'est pas grand chose. Moi je m'attendais franchement à pire. Franchement, avec ce qu'on m'avait dit au contrôle technique, je me suis dit oh merde, il va falloir que je change la moitié de mes trains roulants. En fin de compte, non. Donc on a effectivement la suspension à l'arrière gauche qui fait un peu la gueule. Et on a une rotule de direction à l'avant, à droite cette fois-ci. Donc voilà, bah, falloir remplacer tout ça. En tout cas, j'adresse un grand merci à Youngtimers Garage pour avoir fait le diagnostic sur ma voiture. On se retrouvera très vite pour la suite des opérations et pour le remplacement de ce qu'il y a à remplacer. Et je vous dis à très bientôt.